Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phone House où je vais donc vous parler d'une gamme d'étuis nos rêves de très très bonne qualité. Ce sont des étuis faits main en cuir qui sont d'excellente qualité. Alors déjà, je vais vous parler de la gamme. Il en existe pour tout un tas d'appareils. Vous voyez par exemple, c'est celle du BlackBerry Pearl en blanc. Sur le site internet en fait de nos rêves, vous pouvez choisir la couleur, la finition en fait de vos housses. Donc ça, c'en est une pour BlackBerry. J'en ai aussi une ici pour HTC P3300 en marron. J'en ai une ici de couleur rose pour le LG Shine. Ici, j'en ai une pour Motorola, donc Razor. Hein. Et la dernière, en fait, qui est une housse de N95. Et donc, je vais vous montrer en détail ce que ça donne avec un N95. Alors, j'ouvre ma boîte. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai la housse. Alors, on voit que c'est pas mal. Donc ici déjà une petite ouverture aimantée, ce qui est assez sympa, ça évite d'avoir une pression. Ici on note la présence d'une vis, on verra que ça sert à quelque chose tout à l'heure. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai ici une petite poche avec un petit tournevis. Voilà. Ici le clip pour ceinture. Et à l'intérieur, je vois une petite vis. Et donc en métal, la petite partie qui va en fait se mettre dans le clip ceinture. Et voici la housse. Voilà, c'est très bien fini. Alors en fait, ça c'est rigide. Hein. Et cette partie-là est un peu plus souple. Ici, on note la possibilité de petits emplacements pour ranger ses cartes micro. Voilà, le trou pour l'appareil photo. Connectique. Alors le plus simple, ça va être d'y mettre un N95. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais ça c'est vraiment vraiment bien calé. Là on note que toutes les connectiques principales sont accessibles. Voilà. Et tous les boutons. Hop, je vais le refermer. Voilà, c'est aimanté donc. Là, l'appareil est bien protégé. En plus, l'étui est de bonne qualité, je vous dis, et c'est très très beau, hein, en fait. On peut évidemment le slider vers le haut sans problème. Et si vous voulez, ces parties-là rigides, en fait, c'est comme une espèce de coque métallique, finalement, ou plastique, qui serre l'appareil. Donc c'est costaud. Là, voilà, on voit qu'on a le cache objectif qui est toujours visible. Et je peux évidemment prendre une photo avec l'étui dessus. Voilà. Et évidemment, voilà, je referme l'objectif. Ah, c'est quand même super. Donc pour ceux qui préfèrent l'attacher à la ceinture, vous allez voir que c'est très très simple. Je dévisse. Vous voyez, comme je suis très bricoleur, je fais tomber le petit tournevis. Voilà. Donc, ensuite, je place le petit clip et je visse. Voilà. C'est serré. Donc là, vous notez l'excroissance hein, qui ne tourne pas. En fait, c'est vraiment super bien fait. Et donc, voilà, vous le clipsez. Et vous pouvez vous l'attacher à la ceinture. Vous appuyez en fait ici en haut pour pouvoir le déclipser. Donc c'est très costaud. Alors moi j'ai tendance à préférer plutôt le cache plutôt que l'attacher à la ceinture. Mais après chacun le voit comme il le souhaite. Alors il faut savoir qu'ils ne font pas que des housses pour téléphone portable. Puisqu'en fait ils en font aussi pour tout ce qui est PSP, iPod... et ainsi de suite, en fait, tous vos gadgets
vos gadgets et vos geekeries préférées. L'avantage, c'est que là, en fait, vous aurez tous vos mobiles et tout ça bien protégés et dans des housses en plus de qualité. Donc là, c'est une finition noire, mais il y en a une que j'aime particulièrement, c'est la cuir vintage, qui en fait est marron. Alors, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais vous la verrez sur leur site, elle est vraiment très très belle. Voilà, avec le petit logo Nos Rêves métallique. C'est vraiment très bien fait. Donc je vous invite à vous rendre sur le site Nos Rêves, vous verrez, vous avez des étuis de qualité. Alors il faut savoir que le prix de l'étui est un peu plus cher qu'une housse plastique classique, mais c'est normal, hein, ce sont des produits faits main et je vous dis de très très bonne qualité. Il faut compter entre 30 et 40 euros à peu près, hein, pour un étui de cette qualité-là. Mais l'avantage, c'est que ça reste quand même. Ça reste quand même beau, quoi. Contrairement aux housses plastiques, je trouve que ça fait classe, quoi. Là, sur le N95, en tout cas, ça relève l'écran de le voir entouré de cette housse noire, quoi. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi ce podcast de Génération Phone House et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.